Des révélations directes. Ok. Dieu nous parle. Oui, c'est ça. Le point B, c'était Dieu, les révélations spéciales de Dieu à son peuple. Et le point 1, c'était les révélations directes. Les sous-points, nous avons parlé. Dieu nous parle par sa parole et il nous parle aussi par des rêves. On est là ensemble. Et je vous ai fait lire le livre des Nombres, chapitre 12, c'est ça. Et le verset 6. Je crois que nous allons parler aujourd'hui sur des Dieu nous parle la révélation par des visions. Je crois que l'autre fois, je parlais sur des révélations par des rêves. Je vous ai donné les trois sortes de rêves, de leurs sources. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça, nous avons déjà parlé. Maintenant, nous allons parler de la vision. La vision. La révélation de Dieu par la vision. Genèse chapitre 15. Les versets premiers. Genèse 15, les versets premiers, nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit: L'Éternel, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes: Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Alléluia. Je sais que c'est une histoire. Alléluia. Vous êtes fatigué déjà? Quand nous lisons cette parole, nous nous rendons compte de la réalité de ce que Dieu dit. Dieu s'est adressé à Abraham, comment? En vision. Donc Dieu peut donner la vision. Qui peut nous définir la vision ici? C'est quoi la vision? Est-ce que la vision, elle est différente des rêves? Oui ou non? Oui, la vision, elle est différente des rêves. La vision, vous avez à voir des choses, des faits qui se font sans que vous puissiez dormir. Vous pouvez avoir une vision sans avoir dormi. Mais pour rêver, il faut dormir. Vous comprenez la différence? Je peux avoir une vision pendant que je dors, je peux avoir une vision pendant que je suis debout, pendant que je marche, pendant que je conduis, pendant que tu nages, pendant que tu peux avoir une vision. C'est comme un film, on te projette une histoire, ça peut être long, mais tu le vois dans une courte période. Et Dieu parle à Abraham. Abraham s'est retrouvé dans ce qu'on appelle la cinématographie. Vous vous retrouvez en train de regarder et lui parle. Dieu lui dit, Abraham, on dit, moi ce qui me plaît, c'est ce qu'il dit au premier, il a dit, après ces événements, ma question était de savoir quels sont les événements qui se sont passés avant. Il y a des choses qui provoquent dans votre vie que vous puissiez commencer à voir des visions ou des rêves réels de Dieu. Il y a des choses qui précèdent toujours. Donnez-moi un bon amen. Il y a des rencontres qui provoquent que la vision vienne. C'est comme je vous disais, vous ne pouvez pas passer toute la journée, vous êtes au stade là où les gens sont des joueurs au foot, vous criez, vous vous insultez, vous chantez contre les présidents de l'autre équipe et tout ça. Vous rentrez, vous attendez que Dieu commence à vous parler de grandes choses. Non, non, vous allez avoir les choses de la terre. Vous allez dans un parti politique où vous criez, vous insultez les autres, vous rentrez chez vous, vous voulez que Dieu se révèle à vous. Non, non, vous aurez d'autres choses qui égarent. Mais j'aimerais savoir, vous avez lu dans votre version ce qu'on dit. Genèse chapitre 15, il dit, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Moïse. Quels sont ces événements-là? J'aimerais que dans ta vie bien-aimée, pour que cette chose arrive, tu dois rentrer dans ces événements-là. Très important. Qui provoque cette connexion-là? Il y a des gens. Il y a des choses que nous devons d'abord rencontrer. Nous avons des hommes que nous devons rencontrer. Quelle est la personne que nous devons rencontrer? Je dois rester avec Dieu, connecté à lui. Vous allez voir que Moïse, il est rentré d'une guerre où
il a connu des victoires de la part de Dieu. Il y a eu des batailles terribles. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 14, les versets 17 et les suivants. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque Abraham rêvait après avoir battu Kedorlaomer et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a formé les cieux et la terre. Béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna les dixièmes de tous les butins. Le roi de Sodome dit alors à Abraham, rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Abraham lui répondit, je jure à la main levée vers l'Éternel, le Dieu très haut qui a formé les cieux et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de souliers, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Donnez-moi un bon amen. Vous comprenez ce qui s'est passé? Abraham est allé en guerre. Qu'est-ce qui est arrivé? Lot a été déporté. C'était déjà qu'ils étaient séparés avec Lot. Lot a été déporté, il est parti. On a appris à Abraham que Lot n'est pas parti pour délivrer les autres. Abraham n'est pas parti pour délivrer les autres. Il est parti pour se battre pour qui? Pour Lot, son frère, son neveu. Mais quand il arrive là, il combat, il récupère, il termine la guerre. Quand il rentre, le roi de Sodome vient avec des butins pour donner à Abraham. Avec tout ce qu'il avait. Mais on dit aussi Melchisédek, le prince, le Dieu, et il est le roi de Salem. Salem, ça veut dire le roi de paix. On dit qu'il était le prêtre du Dieu, comment? Très haut. Lui aussi se présente. Avec quoi? Le pain et l'eau. Après que notre ami ait connu des guerres, il s'est battu, il a délivré les gens. Et quand il arrive, il a commencé à déclarer. Melchisédek commence à déclarer des bénédictions sur la vie d'Abraham. Il dit, béni soit l'Éternel. Abraham, tu seras ceci. Abraham, tu seras... Et Abraham s'est retrouvé dans ça. Il dit, le Dieu très haut, qui a formé les cieux et la terre, béni soit aussi le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et quand Abraham a entendu que la bénédiction est tombée sur lui, des paroles, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il prend le dixième de tous les butins. Il fait quoi? Il donne à Melchisédek. Abraham a déclenché quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. Ça a permis de connaître le cœur des rois de Sodome. Le roi de Sodome lui dit, tu peux prendre tous les biens que tu as, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse-nous les hommes. Il dit, prends les biens, laisse-moi les hommes. Abraham dit, non, mais si tu prends les hommes et que je laisse avec les biens, je n'ai plus rien. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a un enseignement que nous avons reçu des hommes de Dieu qui m'a béni. J'aimerais aussi vous bénir avec ça. Je crois que je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Un papa qui a quitté le Katanga, il est allé au Kasai. Et quand il arrive chez eux là, son fils l'a accueilli. Qui ont déjà suivi ce témoignage là? Il y a d'autres qui ont oublié. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce papa là arrive dans la maison de son fils, mais le fils là, le fils a quitté le Katanga, il est allé au Kasai, il est arrivé là où il était. Il était avec son père. Maintenant, il voulait recevoir son père qui était au Kasai, dans sa maison. Vous savez, généralement, les Africains, quand tu arrives à un endroit, tu prépares, qu'est-ce que tu fais? On invite les parents pour venir manger. Et les parents sont arrivés. Le papa est venu. Mais le papa était un sorcier. Le papa va arriver jusque dans la maison là où il était. On a mis à manger. Et puis le papa pose la question. Où sont les enfants avec lesquels je vais manger les foufous? Vous connaissez déjà cette histoire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Il dit, où sont les enfants avec qui je vais manger le foufou? Et le papa dit, le fils a dit, mais ils sont là. Il dit, ok, amène-le. Le fils a amené ses propres enfants. Pour lui, le grand-père demande les petits-fils pour qu'ils partagent la nourriture. Mais le papa donnait un langage qui était codé. Le papa, c'était un sorcier. Il n'avait pas le pouvoir d'avoir les enfants. Il a fallu que les fils puissent lui-même le faire quoi? De les présenter.
Il a donné les enfants. Bref, ils ont mangé, le papa est rentré. Le lendemain, le premier enfant commence à tomber malade. Malade, c'est devenu sérieux. Et puis, pouf, l'enfant est mort. Quand on part pour le déposer, le deuxième qui était là, la fièvre aussi commence. Comme il n'y avait pas de morgue là, on est allé directement déposer, puisqu'on ne pouvait pas garder l'enfant. On rentre là, le deuxième malade. Le temps d'arriver au petit matin, le deuxième est mort. L'enfant commence à pleurer. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, comme on dit toujours chez nous là, quand il y a un des problèmes, les gens, les mamans sortent, font des cris pour dire que c'est lui qui m'attaque, et ainsi de suite. Vous connaissez un peu ça? Vous n'avez pas vécu au village, hein? Nous, on est au village, on connaît ces choses. Tu parles, tu fais un cri là. Surtout les femmes, si tu fais du mal à une femme, elle sort avec, comment on dit ça? Les malaxeurs, il sort avec ça. Il dit, si seulement que tu n'avais jamais mangé les foufous préparés par la main d'une femme avec cette affaire, on verra. Donc même les gens de l'autre côté, ça devient sérieux. Donc bref, il y a un papa qui était là, c'était aussi un sorcier. Mais c'était un sorcier gardien. Il a eu pitié de ces garçons qui pleuraient. Il va le voir. Il dit, pourquoi tu pleures? Mes enfants, l'autre. Il dit, si tu ne te lèves pas, allez suivre ton papa. Hier, il y a quelqu'un que tu avais reçu chez toi ici. Il dit, oui, c'est son papa. Il dit, c'est lui qui te fait des choses comme ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, mais rien de ça. Il t'a posé une question. Les garçons rentrent très vite. Il dit, non, il m'a demandé où sont les enfants avec qui je peux manger les foufous. Il dit, tu les as donnés, cet homme, tu les as livrés. L'enfant prend la machette, laisse l'enfant malade, il va voir son père. Il entre tout son papa, il prend seulement la machette, il le met à son cou. Il dit, si cet enfant-là m'appelle seulement qu'il est mort, toi si tu es mort, pourquoi tu me fais des choses comme ça? Il dit, mais moi je t'ai demandé, tu me les as donnés. Il voulait les hommes. Que l'autre garde les biens. Bien-aimé, si on te prend les hommes, qu'est-ce qui te reste encore? Quelqu'un te dit, donne-moi ton mari, tu vas devenir riche. Bien-aimé, si le mari part, qu'est-ce que tu deviens? Donne-moi ta femme, tu vas devenir riche. Donne-moi tes enfants. C'est comme ça que le monde des ténèbres travaille. Vous trouvez les gens qui donnent leurs organes pour qu'ils deviennent riches. Tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais un homme heureux. Tu trouves quelqu'un, on a coupé les premiers doigts, on a coupé les seconds, on a coupé les... Et finalement, tu vas mourir de ces choses-là. Ces choses-là se passent aussi tous les jours dans notre vie. C'est pour cela que j'ai dit toujours au peuple de Dieu, faites attention, quand la personne te pose la question, quelle est la question, comment je dois répondre? Abraham lui a dit, je lève ma main vers le ciel. Une telle chose ne se fera jamais. Je ne prendrai rien de toi, même pas l'aiguille. Ça, c'est une parenthèse. J'aimerais parler aux hommes de Dieu que vous êtes des pasteurs à devenir. Faites très attention. Il ne faut pas arriver partout. Quand on te donne l'argent, tu prends. On te donne. Bien aimé, il y a certaines choses par moment, il faut refuser. Il faut avoir la conviction de prendre des choses. Il y a des gens, ils dans toutes les maisons, ils mangent au nom de Jésus-Christ. Non, non. À un moment donné, tu regardes des choses comme ça. Tu me dis non. Ça, je ne prends pas. Je ne suis pas convaincu. La conviction doit fonctionner. Donnez-moi un bon amen. Abraham a refusé, il n'a pas pris. Ça a déclenché quand il a présenté ses offrandes au prince, à Melchisédek, au prince de Salem. La paix est arrivée. Et lui se retrouve, il dit, après ces événements, là l'ont délivré. Et Dieu s'est révélé maintenant à lui. Puisqu'il a trouvé que c'était un homme de peuple. Dieu a dit, je te bénirai, tu deviendras une grande nation. Il a dit que cet homme s'est gardé. Il y a des gens pour les biens, il peut vendre les hommes qu'il a autour de lui. Pour les biens, il peut trahir les gens. Il y a des gens qui ne parlent pas. Mettez-lui autour de foufou, il va te raconter toute l'histoire. Puisqu'il aime tellement les biens, il va dire n'importe quoi. Il y a des gens qui ne parlent pas, mettez-les devant l'argent. Cet homme va te dire des choses que tu ne connais pas. Même tes ennemis, des choses qu'on t'a critiquées il y a 5 ans, se disent, mais tout ce temps, il est gardé. Mais devant les foufous, comment ça te raconter? Tu sais d'ailleurs, t'es contre toi. Et tout ça dit, ah, seulement ça. Donc vous comprenez que les gens sont prêts à tout faire devant l'argent. Mais nous devons être capables à résister à l'argent. C'est pour cela que j'aimerais te dire, vous les millionnaires, faites très attention. Que l'argent ne vous domine pas, mais dominez sur l'argent. Alléluia. Donc après ces événements-là, il a eu la vision de la part de Dieu. Et lui, dans la vision, il a commencé à discuter avec Dieu. Il dit, Seigneur,
Maintenant que tu me dis que je te bénis, dit, je suis avec toi, mais Seigneur, je m'en vais mourir, tu dis que tu vas me bénir. Je n'ai pas d'enfant. C'est dans sa tête qu'il n'y avait pas d'enfant. Mais devant Dieu, il y avait un enfant qui l'attendait. Il y avait une génération qui l'attendait. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, Abraham répondit, l'Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. Donc Dieu peut te parler par la vision. Tu peux aussi le répondre par rapport à ce que tu reçois. Il y a des choses que Dieu nous parle. Comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Nous, on ne tire pas d'attention. Il y a des gens, tu es là, Dieu te montre quelque chose. Il dit, ah, j'ai vu comme si j'ai sauté, j'ai vu une pluie. Bien aimé, assis-toi d'abord, écoutez, cette pluie-là, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais seulement assis. On dirait que, hey, je venais de voir, on dirait Dan vient d'entrer ici. Mais demande à Dieu, Seigneur, c'est quoi que tu me montres, je vais comprendre, puisque tu ne comprends pas. Lui, au mieux, il a grâce. Quand Dieu lui a dit, Abraham, ne crains rien. Comment je ne vais pas craindre, je suis en train de mourir. Dieu lui a parlé de la crainte, lui il est allé toucher son vrai problème. J'ai peur, puisque mes biens ici, personne de ma descendance l'aura. La vision nous aide à parler, la vision nous aide à écouter, la vision nous aide à avoir la direction et aussi avoir des confirmations dans notre vie. La vision elle est très très importante. La Bible nous dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Si vous n'avez pas la direction de Dieu, la vision nous aide à avoir une direction. Où est-ce que tu vas avec Dieu? Où est-ce que tu vas avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit à propos de ta propre vie? Qui es-tu? C'est puisque cette vision, tu vas connaître. Il y a des gens qui se lèvent, disent, c'est quoi ta vision? Dis-moi, je sais que je vais devenir un marin. La personne travaille déjà, il sait que je vais être un marin. Il doit connaître les eaux, il doit voir les bateaux, ça fonctionne comment. Pourquoi? La chose est dans son cœur. Il porte ça au-dedans de lui. Quand tu as une vision, ça devient comme un enfant. Tu vas attendre jusqu'à ce que tu puisses l'accoucher. Tu vas être patient. Tu vas marcher, tu vas enlever les chaussures de haute taille. Et même l'homme sera là pour te soutenir. Pourquoi? Tous vous tenez d'avoir cet enfant-là. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Dieu parle par des visions, c'est très important. Nous l'avons déjà lu dans Job, je ne vais plus rentrer dans ça. Le vrai problème, c'est l'homme. 2 Corinthiens chapitre 12, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme qui appartient à Christ et qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Ou sans son corps? Je ne sais. Mais Dieu laisser. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Oh, ça c'est terrible. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de Jean qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Il dit, si c'était dans le corps, moi je ne sais pas. Si c'était aussi dans la chair, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais cependant, il a eu des visions et des révélations venant de la part de Dieu. Non, pour te dire que les révélations ou les visions, ce n'est pas seulement fait pour une catégorie de personnes. Donnez-moi un bon amen. Les visions des révélations, c'est fait pour les enfants de Dieu. C'est un canal par lequel Dieu lui-même, il veut se révéler aux hommes. Dieu se met en contact, il met en exergue pour que tu les connaisses. C'est comme vous, vous êtes des jeunes gens ici. Vous n'avez pas encore cette connaissance d'être un père. Vous n'avez pas encore la connaissance d'être un mari. C'est que vous allez vous révéler. Un jour, on vous verra comment vous réagissez comme un mari. Demain, on va vous voir aussi, vous réagissez comme aussi un père. Et puis plus tard, vous allez réagir aussi comme un grand-père.
Donc Dieu, dans son amour, il a des étapes qu'il marche avec Dieu. Dans cette révélation, tu te retrouves aujourd'hui, tu es jeune, tu as des ambitions, je vais devenir un magistrat, je vais devenir un ingénieur. C'est comme ça que tu te comportes là, comme si. Mais demain, tu vois comment c'est, je me comporte, tu vas te révéler, tu deviens comme un fiancé. Et là, tu commences à agir comme un fiancé. Comment tu dois être propre? Si tu ne savais pas te laver, tu commences à te laver, puisque la fiancée ou le fiancé te fait des remarques tous les jours. Va couper un peu les cheveux. Moi, je n'aime pas ça comme ça. Toi, tu vas faire un peu les ongles. Regarde tes ongles. Donc, tous les jours, il y a des choses qui commencent à fonctionner dans ta vie. Et puis, demain, tu vas te retrouver comme un mari. Et les visions de Dieu, c'est de la même manière. Où Dieu est en train de te donner par rapport à l'expérience que tu as avec lui. Alléluia. Et Dieu veut vraiment les soucis, comme je l'ai dit, il veut vraiment que l'homme les connaisse. Donc le souci de Dieu tous les jours, c'est de bâtir une relation avec l'homme. Et Dieu veut que le parle. Puisque tu ne le connais pas, c'est lui qui vient vers toi pour que tu le connaisses. Je vous avais dit, dans la création, quand vous regardez, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Je voulais vraiment que vous puissiez comprendre ça. Dieu prend la terre, il forme l'homme. Il n'y avait rien, c'était la terre. Il dit qu'il soit mon vis-à-vis, que l'homme soit comme nous, que l'homme comprenne des choses comme nous. Et il dit qu'il domine sur tout ce que nous avons. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, vous savez que nous devons vraiment retrouver notre état initial en Jésus-Christ. De dominer sur toutes les choses. C'est pour cela qu'il dit, résistez au diable, il va faire quoi? Il va rester toujours à côté de vous. Il va fuir. Pourquoi? Vous avez la nature divine. Le diable viendra toujours à côté. Vous savez pourquoi? Il est venu à côté de Jésus. Il ne va pas te fuir puisque tu as beaucoup prié. Dis à ton voisin, ce ne sont pas tes jeunes qui vont faire que le diable puisse partir. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas des cravates qui vont faire que, non, le diable puisse fuir. C'est rien ça. Même les gens qui vont au gym, je vous encourage, allez-y. Bien-aimé, tu peux avoir des muscles, tu soulèves même 200 kilos. Le diable ne partira pas. Il ne partira pas. Il va venir toquer à ta porte. La seule chose que le diable craint, c'est la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas au-dedans de toi. Bien-aimé, avec Jésus, ils ont dit, ils ont parlé. Et Jésus l'a résisté par rapport à la parole. J'aimerais aussi te choquer. Le diable connaît la parole. C'est pour cela que ne vous en faites pas à tous les gens que vous voyez qui passent à la télé. Ils parlent des versets. Ils disent, ah, il connaît la parole. Oui, connaître la parole, c'est l'appliquer. Ce qui est plus important de la parole, ce n'est pas la connaissance seulement, mais c'est l'application de la parole dans ta vie. Dis à ton voisin, c'est de toi qu'on parle. Donc, ne connais pas seulement des versets, mais appliquez les versets dans ta vie. Ce que Dieu cherche chez nous, c'est l'application. La Bible nous dit, nous sommes guéris par ses maîtrisures. Est-ce que tu connais ces versets-là? Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que tu connais ce verset? Dis-lui, c'est quel verset? Dis-moi, puisqu'il a dit oui, je connais, c'est quel verset? Nous sommes guéris par ses maîtrisures, c'est quel verset? Oh, j'aime Jésus, ça. Nous sommes guéris par ses maîtrisures. La Bible ne dit pas que nous serons guéris. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien, mais c'est ça même la révélation. Donc, avant que la maladie ne vienne, la maladie me trouve, je suis déjà guéri. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu es le temple de Dieu. Je vous avais dit l'autre fois, vous savez, ce temple, il est de Dieu. Mais pour le moment ici, ce temple porte le nom de Dieu merci. Ce temple s'appelle Dieu merci. Alléluia. Mais si Dieu merci veut que quelque chose entre ou sorte, ça dépendra de lui. Nous devenons des maisons où, si il y a chez moi, vous venez, vous trouvez, il y a les fretins. J'ai donné l'autorisation aux fretins d'entrer. Mais si je ne veux pas, ça ne va pas entrer. C'est-à-dire qu'il a la liberté pour l'instant ici de laisser entrer ou de laisser sortir. C'est comme ça que je vous avais dit, si, merci. La Bible nous dit, Jésus dit, je frappe à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais quoi? Pardon? Je n'ai pas entendu. Dis à haute voix, si tu ouvres, si tu entends ma voix, tu ouvres. Il ne dit pas que je vais ouvrir, puisque j'ai toqué. J'aimerais vous dire, s'il y a quelqu'un qui est très poli, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui est impoli, il est du diable. Puisque le diable, il est impoli, il vient là où on ne l'a pas invité, il entre, il détruit, il tue, il égorge. Est-ce que cet homme-là, il est poli? Il est impoli.
Mais Dieu, lui, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Il est très poli. Et quand il frappe à ta porte, bien aimé, si tu n'ouvres pas, Dieu ne va pas forcer. Mais il voudra toujours que tu ouvres. Il va toujours te montrer que je suis là pour ton bien. Mais si tu refuses, il ne va pas te forcer. Alléluia. Donc les visions, ce n'est pas pour que... Je m'en suis en faux. Pour les gens qui se lèvent, ils ont toujours des visions des autres. Non, non, il faut d'abord avoir votre propre vision. Dieu ne peut pas tout le monde commencer à vous montrer des choses des gens si vous n'avez pas encore vu vos propres choses à vous. Donnez-moi un bon amen. Ici, Dieu a parlé à Abraham. Parmi des hommes que Dieu, pour une fois, Dieu l'a rendu comme Dieu en Égypte. Il a eu sa propre vision. Dieu lui a dit qui il était. Est-ce que tu sais qui tu es? Bien aimé, si tu ne connais pas, au lieu de demander, Seigneur, parle-moi de la vision de l'Église. Non, on commence d'abord à dire, Seigneur, parle-moi de la vision que tu as mis au-dedans de moi. Et j'aimerais te dire, Dieu, il est tellement fidèle, il va se révéler à toi. Il te dira qui tu es. Et tu sais, j'ai beaucoup aimé, j'étais venu à la rencontre de sœurs l'autre fois. Maman a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il dit, si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas en abuser. Donnez-moi un bon amen. Si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu vas abuser. Quelqu'un peut sortir son habit qui est cher. La personne sait combien l'a acheté. Il prend l'habit, il te donne. Il sait que cet habit, c'est mieux de le porter dans des fêtes. C'est mieux de le porter quand tu vas dans des cérémonies. Comme toi, tu ne connais pas la valeur de la chose. On va te trouver en train de cultiver avec ou bien de faire les jardins avec. Pourquoi? Tu ne connais pas la valeur de la chose. C'est pour cela que j'encourage à tous les jeunes gens qui sont ici. Donnez-moi un bon amen, les hommes. Soulevez un peu vos mains, donnez-moi un bon amen. N'attendez pas que... Non, oui, toi, tu n'es pas encore dans l'insérie ici. J'ai dit, les jeunes gens, levez un peu votre main. Je vous exhorte, bien-aimés, ne cherchez pas que vos parents puissent vous lever les mains. Ne demandez pas à vos parents de vous envoyer l'argent pour payer la dot. Vous ne connaîtrez pas la valeur de ça. Alléluia. Donc, vous-même, travaillez durement, trouvez de la dot, allez chercher la femme de votre rêve. Vous serez libre, mais c'est maintenant, puisque vous avez compris. Si vous ne connaissez pas la valeur, vous n'allez pas travailler. Avant d'abord, non, je viens de m'engager. Oui, tu t'engages. Mais pour payer la dot, mon frère, est-ce que tu peux me soutenir? Je vais aller me présenter dans la dot. Non, frère, tu ne connais pas la valeur de la femme. Il ne faut pas envoyer les gens toujours, non? Comment vous appelez ça? Non, tu l'as fait par de quoi? C'est ton affaire, c'est ton histoire. Commence ton histoire. N'envoie pas de faire part aux gens. Tu ne connais pas la valeur de la femme. Bien-aimé, quand tu vas payer la dot avec la sueur de ton front, tu vas être fier de cette femme. Elle sera aussi fière de toi. Si déjà par la dot, tu vas demander que tout le monde te soutienne. Et le jour de la maternité, tu ne vas pas t'arrêter. Je suis dépassé. Ma femme doit sortir. On va encore payer pour toi l'argent de la maternité. On va payer pour toi les habits de l'enfant. Quand les gens ne viennent pas, vous ne venez pas saluer l'enfant. Et elle ne va même pas nous voir. Tu viens nous voir chez toi pour qu'on fasse quoi? Ton sungayo. Bien aimé, nous devons faire très attention avec ces choses-là. Aie d'abord ta propre vision avant d'avoir la vision des autres. Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision de ta vie? Dieu ne peut pas te laisser. Demande-lui. Dis à ton voisin, ce soir, tu vas dire à Dieu de te parler. Dis-le-lui bien, il ne faut pas voir, il ne va rien te faire, je suis là. Le point 2, toujours dans B, le point 2. Révélation dans les événements de l'histoire. L'histoire biblique nous montre des révélations où Dieu a toujours une raison. Il veut toujours que l'homme arrive à les découvrir. L'histoire biblique nous montre que Dieu n'a pas arrêté de se révéler au peuple. Ce sont des révélations spéciales, mais Dieu veut que dans l'histoire, des événements bibliques, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi quelques-uns. Alléluia. Nous allons lire les premiers dans Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3. Gloria, ça va. Mais depuis que je suis ici, le Seigneur ne me fait que donner ton nom. Depuis que j'en ai prié, toujours ton nom. Tu vas bien? Gloria, ça va. Depuis que je suis là, je vais comprendre pourquoi Dieu ne fait que me donner ton nom. Amen. Deutéronome chapitre 3, nous allons lire les versets 24.
Vous y êtes? Je vais lire. Je commence par le verset 23. J'ai demandé alors une faveur à l'Éternel. Seigneur Éternel, lui dis-je, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta puissance. Et quel Dieu dans les cieux et sur la terre pourrait accomplir de telles œuvres et avec autant de puissance? Permets-moi, je te prie, de traverser le Jourdain pour voir ce bon pays qui se trouve de l'autre côté, cette belle contrée montagneuse et le Liban. Mais l'Éternel s'était mis en colère contre moi à cause de vous et ne voulait pas me l'accorder. Assez, me dit-il, ne me parle plus de cette affaire. Alléluia. Ça, c'est une bonne révélation dans la situation du monde. J'aime bien ce verset ici. Ça me donne beaucoup de discipline aussi. Donnez-moi un bon amen. J'aimerais que tu retiennes ça. Celui qui parle là, c'est Moïse qui parle à Dieu. Vous savez que Moïse était l'ami de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des choses que Moïse a fait qu'un homme ne peut pas se permettre de les faire. À un moment donné, Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas ici. L'homme, la création, la créature est en train de demander au Créateur, si tu ne fais pas, moi je ne ferai pas. Moïse avait l'audace terrible de parler à Dieu. À un moment donné, Dieu lui dit, ce peuple m'a désobéi. Je ne vais plus l'écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, permets-moi de les tuer et de commencer une nouvelle génération avec toi. Moïse lui dit, les hommes qui entendront que toi tu les avais fait traverser et que tu les as tués dans le désert, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont se moquer de toi. Si tu les fais, Dieu, j'aimerais te demander une chose, efface mon nom dans les livres de vie. J'aimerais que tu rentres au-dedans de toi-même. Est-ce que toi, tu es capable de dire ça à Dieu? Il dit, si tu les tues, efface mon nom dans les livres de vie. La Bible nous dit, Dieu s'est répandu. God. Bien-aimé, Dieu, quand il te connaît, si tu marches avec lui, Dieu se révèle en toi. Dieu se répand. C'est pour cela que je vous dis, il y a des gens qu'il ne faut jamais maudire. Vous ne connaissez pas là où ils ont commencé avec Dieu. J'aimerais même aller plus loin. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais critiquer. Vous allez être malade. Vous allez devenir fou dans votre vie. Arrêtez ça. C'est comme ça que même quand les gens parlaient à mal de Moïse, Dieu était capable de les défendre. Il dit aux autres, je ne leur parle pas des rêves. Aux autres, je les parle par des visions. Mais avec Moïse, je parle avec lui face à face. Mais vous savez, cette histoire-là a donné quelque chose de mauvais à Moïse. Il a cru qu'il était arrivé. Que lui parlait, Dieu s'est repenté. Mais vous savez, même si vous pouvez parler avec Dieu face à... Prenez ça très au sérieux. Même si vous êtes en train de parler avec Dieu face à face, même si vous, quand vous parlez à Dieu, le feu sort de votre bouche, même si vous parlez, les morts ressuscitent. J'aimerais vous dire, vous n'êtes qu'un être humain. Dieu reste Dieu. Dieu dit à Moïse, ce peuple demande de l'eau. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, parle. C'est là que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous, les hommes, on ne tire pas attention. Puisque hier, Dieu a parlé avec toi comme ça, aujourd'hui, tu veux qu'il puisse parler avec toi de la même manière qu'il t'avait parlé. Mais en 1990, Dieu me parlait comme ça. Ça fait depuis un temps que je ne vois pas Dieu me parler. Il ne va pas te parler comme ça, il te parle autrement. Maintenant, là, Dieu te parle par la prédication que nous te donnons tous les jours. Maintenant, Dieu te parle par les enseignements que nous te donnons tous les jours. Dieu te parle là-dedans. Mais toi, tu vas chercher toujours Dieu. Vous savez, moi, quand j'étais seulement à la montagne, avant de quitter, j'entendais la voix de Dieu. Chaque jour, tu montes à la montagne. Dieu, me voici. Il n'y a rien. Même pas la pluie, il n'y aura même pas des orages. Pendant que j'ai dit, Dieu, me voici, j'ai entendu des orages. Il n'y en aura pas, même pendant la saison ici. Tu descends, tu dis, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu lui dit, parle au rocher. Qu'est-ce que Moïse a fait?
J'aimerais vous dire une chose. Dieu a-t-il parlé à Aaron? Il a parlé à qui? Dieu a-t-il parlé à Aaron? Il a parlé à qui? Dieu a-t-il parlé à Aaron? Il a parlé à qui? Moïse a compris autrement. Bien aimé, si tu comprends les choses autrement, tu payes les conséquences. Arrêtez de comprendre Dieu autrement. Et comprenez Dieu de la manière qu'il veut que tu le comprennes. Quand Dieu te dit, lève-toi, va, lève-toi, pas. Même si tu ne connais pas la direction. Quand tu commences à faire les premiers pas, les choses commencent à changer dans ta vie. Je vous ai parlé le dimanche passé, pas ce dimanche, l'autre dimanche. J'ai dit, quand Jésus marchait sur les eaux, si je me perds, vous allez me retourner sur Moïse. Quand Dieu a parlé, bon, Dieu, Jésus marchait sur les eaux. Tout le monde savait que sur les liquides, on ne peut pas marcher. C'est comme ça, quand on regardait Jésus, tout le monde a crié, c'était quoi? Un fantôme. Mais tout le monde a crié, nous avons vu le fantôme. Mais Pierre, dans son courage, là, Jésus leur dit, ce n'est pas le fantôme, c'est moi. Il dit, Seigneur, si c'est toi, accorde que je vienne. Bien-aimé, l'effet seulement qu'il a déclaré, il y a une connexion spirituelle entre Jésus et Pierre. Et Jésus lui a dit, viens. Donnez-moi un bon amen, je vais te dire. Vous savez, quand Dieu parle, ce qui était liquide devient solide. Il sort, c'est... il n'a même pas réfléchi. Pourquoi? Jésus a dit, viens. Combien de fois Jésus t'a dit de venir, tu ne viens pas? Tu ne rendras jamais les choses solides. Tu ne rendras jamais un miracle dans ta vie. Puisque tu veux que Dieu le fasse comme toi, tu veux qu'il le fasse. Mais j'aimerais te dire, ta volonté à toi ne sera jamais la volonté de Dieu. Tes voix à toi ne seront pas les voix de Dieu. Dieu a ses voix. Dieu a ses voix. Moïse, il a frappé, dit, vous croyez que c'est de cette pierre, vous croyez que c'est de ce rocher que vous aurez de... Dès qu'il a frappé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait compassion du peuple. Dieu voulait que son peuple ne puisse pas oublier que c'est lui qui les avait sortis. L'eau est sortie malgré la désobéissance de Moïse. Quand les gens ont bu, Dieu lui dit, Moïse, toi et Aaron, vous m'aviez déshonoré. Où est le problème d'Aaron? C'est pour cela que je dis toujours, bien-aimé, quand tu es un collaborateur du pasteur, quand tu es toujours à côté du pasteur, hein, président? Quand tu es toujours à côté du pasteur, pardon, quand tu es toujours à côté du pasteur, si tu ne l'aides pas bien faire les choses, tu vas payer les conséquences. Dieu lui dit, Moïse, vous m'aviez, ce n'était pas toi, seul, puisque Aaron était à côté de toi. Vous m'aviez déshonoré. Je vous ai demandé de parler, mais vous avez frappé. Bien-aimé, et frapper et dire à Dieu, enlève mon nom dans les livres de vie. Qu'est-ce qui est plus grave? Enlève mon nom. Dieu est terrible, frère. Dieu est terrible. C'est pour ça qu'on l'appelle, il est l'effet dévorant. Il ne faut pas dire, moi, quand je demande à Dieu, il fait, pas qu'un. Ayez du respect envers Dieu. Vous comprenez, bien-aimé? Hein? Dieu, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton grand-père. Il est père, mais il est Dieu. Il dit, prends Aaron et son fils. Il dit, amène-les à la montagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déshabille Aaron. Pas à côté, devant qui? Devant son fils. On a déshabillé Aaron, son fils était là. On a enlevé les habits des sacerdotes. C'est tout un enseignement, ça. Papa Charles a bénéficié de ces choses. Beaucoup, je lui ai parlé. Il enlève, il le fait porter son fils. Aaron est mort. Ils sont descendus. Dieu dit, ce n'est pas encore fini. Dieu dit à Moïse, va préparer Josué. Donnez-moi un bon amen. Parce que toi aussi, je vais en finir. C'est comme ça que vous avez vu Moïse ici, il dit à ces gens-là. Moi, j'ai demandé à Dieu de traverser le Jourdain, que j'aille voir ce beau pays, ce grand pays, mais c'est à cause de vous. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, vous tels que vous êtes assis, vous tous ici, vous n'allez pas m'empêcher de voir la gloire de Dieu. Quelles que soient vos attitudes, bien, je ne vous suis pas. Vous venez, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai déjà dit à mon cœur, calme-toi. Vous parlez mal, je suis calme. Votre comportement ne peut pas détruire ma vision d'aller voir le Canaan. Si tu marches avec des amis, tu
Tu es avec un mari, tu es avec une femme, tu es avec les enfants. Dis-leur cette parole. Vous ne m'empêcherez pas d'aller voir Cana. Que le comportement de tes amis, de tes collaborateurs ne t'empêche pas. La colère de Moïse l'a empêché d'aller voir de l'autre côté. Je reprends maintenant la lecture, tu vas bien comprendre ce qui s'est passé. Écoute ce que Moïse dit. Il dit, Seigneur éternel, lui dis-je, tu as commencé à montrer à ton serviteur, là il devient serviteur de Dieu, il n'était plus l'ami de Dieu, ta grandeur et ta puissance, et quel Dieu dans les cieux et sur la terre pourrait accomplir de telles œuvres. Et avec autant de puissance, permets-moi, il supplie Dieu. Ici, Moïse suppliait Dieu. Il dit, permets-moi, je t'ai pris de traverser le Jourdain pour voir ces bons pays qui se trouvent de l'autre côté, cette belle contrée montagneuse et le Liban. Mais l'Éternel s'était mis en colère contre moi à cause de vous. Et il ne voulut pas me l'accorder. Assez, me dit-il, ne me parle plus de cette affaire. Bien-aimé, Dieu s'est déjà dit un jour dans ta vie assez. Vous blaguez puisque vous ne savez pas qu'il est Dieu. Dans la révélation, il y a des temps que Dieu est en train de nous redresser. Dans la révélation, Dieu peut te dire, c'est assez. Tu as trop fait, c'est terminé maintenant pour toi. L'ami de Dieu, l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir d'aller. Bien-aimé, toutes les fois que je médite ici, je dis, Seigneur, aide-moi de ne pas devenir fou. Même quand je parle, je me retrouve que je commence à monter, je quitte la terre, aide-moi à être humble. Dis à ton voisin, sois humble. Les événements d'hier, bien-aimé, doivent nous aider aujourd'hui. Ce que nous avons vu de Moïse là, nous devons avoir peur. Être avec Dieu, avoir des révélations, écouter Dieu, marcher avec Dieu, ça ne te donne pas une garantie pour dire que je vais arriver à la fin. C'est pour ça que la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dis à ton voisin, est-ce que tu vas bien terminer? Pose-lui la question. Voisin, réponds-le aussi, hein? Oui ou non. Demande à ton voisin. Oh my God. Maintenant, écoutez le verset 27. Dieu dit à Moïse, monte au sommet de Pisga et promène tes regards vers l'ouest, le nord et le sud et l'est, et contemple les pays de tes yeux, mais tu ne passeras pas les Jourdains. Oh my God! Dieu n'a pas attendu. Il dit, panda pamulima, regarde, il y a beaucoup de choses, bien aimé, je mérite te dire, à cause de ton comportement, tu vas voir ça au loin, mais tu n'entreras pas. Moïse a eu la promesse de Dieu. Vous savez, bien aimé, j'ai vu, moi, des hommes avec qui j'ai été, que Dieu a donné des visions pour des grands ministères, des grandes choses. Et ces gens avaient le même langage. Ils disent, moi, je ne vais pas mourir maintenant. Je sais que vous aussi, vous dites ça. Je ne vais pas mourir maintenant. Dieu m'a promis, je vais faire ceci. J'aimerais te dire, bien aimé, ce n'est pas une garantie. Pour que tu voies ces choses-là, tu dois marcher dans les principes de Dieu. La révélation ne finit pas seulement pour toi de pouvoir dire, je croise les bras puisque Dieu m'a parlé. Dieu lui dit, monte, monte. Les événements, la révélation de Dieu, nous les avons aussi dans l'histoire biblique. Qu'est-ce que Dieu a fait pour les autres? J'aimerais te dire, ce qui arrive aux autres doit nous aider aussi comme un enseignement. Ce qui arrive dans la vie de quelqu'un doit t'aider aussi comme une instruction. Il dit, monte, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Mais tu ne vas pas traverser le Jourdain. Moïse a supplié Dieu. Dieu lui dit, assez, c'est terminé. Tu ne passeras pas le Jourdain. Tu vas contempler de tes yeux, mais tu ne passeras pas. Donne-moi le verset 28. Donne des ordres à Josué. Fortifie-les et affermis-les, car c'est lui qui marchera devant ses peuples et qui les mettra en possession du pays que tu verras. Bien-aimé, il n'y a pas une chose si mauvaise comme celle-là. Tu sais que tu ne vas pas entrer, mais c'est l'autre qui va entrer, mais toi tu vas les fortifier, tu dois l'enseigner. C'est pour dire que tu les veilles, que tu ne les veilles pas, Dieu l'a déjà choisi. Donne-moi un bon amen. Encore une fois, un bon amen. Que tu les veilles, que tu ne les veilles pas, Dieu l'a déjà choisi. J'aime bien qu'on dit en anglais. You like it or not. God chose him already. But you need to prepare him.
Make a plan for Joshua. Ce que tu as. Bien aimé, combien de Josué nous négligeons aujourd'hui? J'aimerais te dire que c'est lui que Dieu a choisi. Est-ce que tu as la promesse de Dieu? Oui. Mais c'est une garantie. J'aimerais te dire tout de suite non. Ce n'est pas une garantie. C'est comme ça que tu vas voir des gens qui prophétisent. I know my God. What God, God say? Fais très attention. Je vais vous donner à la fin ici comment est-ce que nous devons interpréter les rêves. Comment est-ce qu'on va interpréter les visions. Et j'aimerais vous dire tout rêve. Je vous dis déjà là. Tout ce qui est rêve, tout ce qui est toute vision doit passer par la contradiction. Ça vous choque ça? Ce n'est pas que tout ce que tu dis que tu dois laisser. La Bible dit que quand quelqu'un prophétise, deux ou trois témoins, les gens doivent savoir. Nous devons connaître si c'est vrai. Ce n'est pas puisque toi tu as dit, ça devient la parole de Dieu. C'est choquant pour les prophètes ces choses-là. Que quand tu parles, nous devons aller découvrir est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu. Vous savez l'exercice que j'ai fait avec maman Rebecca? C'est pour vous dire, il ne faut pas toujours avoir l'histoire de la Bible. On m'a dit ceci, donc montre-nous dans la Bible. Quel est le verset que tu soutiens dans ce que tu dis? Il ne faut pas dire « je pense ». C'est pour cela que je vous exhorte. Bien-aimés, ayez un seul père, vous aurez des repères. Les gens qui ont beaucoup de pères, tu regardes, non, les pasteurs là, tel, moi je l'aime vraiment. Moi, pour moi, c'est un mentor, c'est un modèle. J'aimerais te dire, tu es en train d'entrer dans un grand trou. Tu ne sauras jamais te sortir là-dedans. Si toi-même, tu as beaucoup de papas, imagine-toi ta maman se marie, si elle se marie là-bas, on te dit tout là, ce sont tes papas. Tu ne seras pas fier toi-même. Tu vas avoir honte. Mais seulement l'église que nous voyons ces choses-là. Tu es à l'église ici, mais ta vision en toi, c'est la vision de Oyedep. C'est comme ça un pasteur m'a dit que j'étais avec un fils à l'église. Quand il veut prêcher, c'est toujours, vous savez, Oyedep, non, lui-même, maman, il disait quoi là? Hein? C'est comment on dit les pasteurs là qui étaient chez nous à Kin là? Adinabala. Vous savez Adinabala quand il faisait ceci. Et j'ai lu Adinabala. Alors le pasteur a dit, aucun jour mon enfant ici n'a eu de référence sur moi. C'est-à-dire que cet enfant, il n'est pas le mien. Il est l'enfant de qui? Adinabala. Il a appelé, il dit, mon frère, je sens que toi et moi, nous n'avons pas la même vision. La vision qui est au-dedans de toi, c'est la vision de qui? Adinabala. Est-ce que tu peux aller à l'église d'Adinabala, là où tu vas travailler? Puisque quand tu finis de parler d'Adinabala, tout le monde me pose la question, Adinabala là c'est qui? Adinabala c'est quoi? Il est où Adinabala? Alors désormais, va un peu chez Adinabala là, pour que tu puisses aller lui dire des choses. Mais ici tu ne parles pas. Il dit, pasteur, je ne l'ai plus jamais donné le micro et il a quitté l'église. J'ai eu la paix. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie pour t'amener seulement des problèmes. Même nous à l'église, il y a des gens qui peuvent venir, c'est pour nous créer seulement des problèmes. Dieu permet aussi pour nous mortifier. Tu as quelqu'un qui est là, il fait des choses, tu te dis, Seigneur, mais quel jour cet homme va partir? Dieu veut aussi que tu apprennes à pardonner. Adinabala. Si tu as un Adinabala à l'église, mais je te dis, tu vas sentir. Je lui dis, frère, pasteur, il faut le supporter. Il dit, moi je ne le supporte pas, qu'il aille chez Adinabala. Donc j'aimerais te dire, bien-aimé, aie des repères. Combien de papas nous avons? Combien? Josué n'avait que Moïse. Donnez-moi un bon amen. Josué n'avait que Moïse. Quand Dieu a fait des choix Moïse, c'était lui le prochain. Et si vous lisez l'histoire, la Bible nous dit, quand Josué s'est tenu devant les gens, écoutez ce que le peuple lui a dit. Il dit, nous nous présentons Moïse, on lui dit, et Josué, il lui a dit que, si tu marches, oh God, donnez-moi un bon amen. Il dit, si tu marches seulement devant Dieu, comme Moïse, nous tous nous allons faire quoi? Nous allons nous soumettre à toi. Nous allons te suivre. C'est-à-dire que nous, on ne va pas suivre Josué. Nous suivons qui? Moïse. Pourquoi? Même quand Dieu parlait de Moïse, même quand il a fait des choix, il appelait toujours son serviteur. Mais Josué n'était pas le serviteur de Dieu. Il était le serviteur de qui? De moi. Et quand Dieu voulait parler à Josué, il lui disait, si tu fais de la même manière que mon serviteur Moïse faisait, je serai toujours avec toi. Et le peuple et Dieu, la référence était une seule qu'il avait donnée. Bien-aimé, il n'y aura pas un serpent de plusieurs têtes, ça devient un démon. Le serpent a combien de têtes?
une seule tête. Quand tu trouves seulement qu'il ne sert pas à plusieurs têtes, il y a beaucoup de choses dans notre vie. Notre Père nous disait toujours, il dit, il n'y aura pas plus meilleur que Lukusa. Le meilleur de votre vie, c'est moi. Et il dit, tel que vous me voyez là, avec ma petite taille, avec mon français un peu mélangé avec les Chiluba, il dit, je vous dis, c'est ça qui fait même moi. C'est pour cela que quand quelqu'un veut prêcher, si je lui dis toujours, ça, toi. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Tu vas trouver quelqu'un quand il veut prêcher. Il a déjà vu ça à la télé. Quelqu'un pour prêcher, il veut. Alléluia! Oh Dieu de gloire! C'est, non, frère. Tu dis, ça, tu as trouvé où? Il dit, non, j'ai ça. Non, quand tu vérifies très bien, il a vu un passé Zimbabwe. Et lui, il vient à Amérique. Non, frère, va au Zimbabwe. Ici, nous sommes en Afrique du Sud. Alléluia. Il est 18h05. Qu'est-ce que je peux m'arrêter là? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Yeah.